Donc, pandémie, on veut dire, c'est le monde entier. Nous n'avons aucun problème pour nous peur maladie. Hein? Et ce n'est pas haïtien qui invente. C'est ça que besoin nous connaître au point de vue créole. Et où est pandémie, ça veut dire le monde entier, tout le monde gagne. On va me venir là, je vais chiffrer pour vous qu'au 25 juin, nous avons 180 millions de cas dans le monde qui atteignent avec pandémie. Hein? Donc, je dis, on dit que si le monde a gagné 5, 6 milliards d'habitants, il y a 180 millions dans la date de la palais là qui prend maladie, et il y a 4 millions de morts là-dedans. OK? Et puis, l'autre bagaille, tout, si on prend Haïti, nous avons 400 morts, ce qui est énorme. Et puis, nous approchons, lentement de 18 000 cas. OK. Mais par contre, l'exercice n'est besoin de faire, c'est l'exercice pour moi noter pour nous que maladie, la pandémie, li tout le monde, li tout pays, mais li tout le monde tout. Toute catégorie sociale. Bon bagaille moi fait matin comme exercice, m'a jamais rendre compte de ça. Et première vague pandémie qui d'ailleurs pas touché Haïti, li touché surtout les grands de ce monde. Les grands de ce monde. C'est quand vous son maladie que t'es faite pour taper seulement grand nègre. Que soit domaine ou t'es qu'on en politique. Qu'on en littérature, qu'on en cinéma, qu'on en star, qu'on se prince, donc quel que soit niveau social et quel que soit l'âge ou, hein, quel que soit rang ou quel que soit titre, nous sommes capables de prendre. Au moment opportun, nous allons envahir. Et je crois que à l'autre matin, en tant que ministre et secrétaire d'État, là, ce n'est pas une intervention que nous faisons en tant que ministre, comme moi dis, nous allons parler avec que nous, son intervention nous fait en tant que père de famille et en tant que monde qui a l'école. Et moi, m'enseigner depuis que j'ai 12 ans à enseigner, j'ai près de 30 ans sans enseignement, je de ça vivre d'ailleurs. Nous, ces professeurs, nous comptons Timounio. Timounio pas jamais arrivé de l'autre côté que dans le boulet caoutchouc. Pour qui ça? Parce que politiciens pas autant pour étudier, pour avoir un diplôme, pour payer en développer et puis pour travailler, pour épanouir. Les gens qui habitent Bojiral Bataille et qui bloquent ça là tout le temps, nous allons commencer à attaquer pour nous faire passer des dénivelé bientôt. Et semaine ça, sinon, on a une série de gros tuyaux là, c'est pour nous battre pied. Bientôt, nous allons faire autre ça. Et c'est deux gros garçons qui ont fait, c'est Raymond Higien qui est là, et bon côté là, avec Rodolphe. Nous avons montré que nous, même haïtiens, nous avons fait gros bagaille tout. Il faut nous commencer à faire tête, nous confiance. Également, le bon, théâtre national et tableau ça, nous allons aller à lui pour nous résoudre. Nous allons garantir. Si ce n'est pas la guerre qui est dans zone là, nous résoudre déjà. Et nous faisons travailler ça avec Raymond Higien. Il y a un technicien qui me respecte en pile. Bolos, ça, non, t'es comme ça, t'es passé Bolos, je résous bien. Même si nous avons un petit problème dans le quatrième, non, c'est un problème qu'on peut résoudre, mais à cause de l'insécurité, on ne va pas résoudre. Il y a trois agents pour résoudre le problème. Ça. Un, négociation totale. Deux, deuxième façon, répression totale. Troisième façon, répression et négociation. Qui sont les moyens politiques? Le gros problème non grand en Haïti, je dis, moun adversaire qui a attaqué nous très intelligent. A priori, yo met ensemble des barrières et ensemble des moun qui l'a pour indexer, des pour besoin résoudre un problème, yo classé au côté. Et y a privé côté au besoin. Pour un problème qui veut jodi, moi même moi well. Et puis dans les années 90, parce que dès qu'on a fait karaté dans Bilair, Bilair était une équipe qui était à Karob, on ne sait pas si Bilair là. Dans Cité Soleil, on a quitté les crânes. Bon, et bon, Grand Ravine, on a fait des tines, dès qu'on a goumé toute journée, parce que Vim s'était fait karaté goumé, dans 4 samedis, on a goumé en pile. Et là, moi, en 80 avec Avril, il a fait Bidonville, Cité des Dieux, on me dit, hey! Danger. Comme des fêtes, qui ça a fait pour faire? Ils ont mis des militaires là-dedans. Depuis que nous avons mis là-dedans, on n'a pas bloqué. Et là, ils sont sortis tous les journalistes étrangers là. Ce n'est pas pour sans raison. Ils sont arrivés tout, mon hôpital là, qui était géré, ils ont construit. On me dit non. Même si on a construit un caille, 20 mètres carrés dans l'hôpital là. Livon kay 60 mètres carrés dans n'importe l'autre côté. Oui. Côté au jeune cobla. Faut nous poser nos questions comme journalistes. Moun bon cité de Dieu, gonse de gros kay
yo construit là côté au jeune cobla. Donc kounyan nan trois cas samedi yo qui ça nous ka fait si n'a négocier bandi yo c'est pour nous si nous fait répression massacre et troisième nan gen tous les deux et là du massacre là il suffit un yon moun mouri deux moun mouri du massacre mais kounya quantité de moun qui mouri m'a dit sans pas aucun massacre. Faut donc commencer à éclairer mes amis. Haïti c'est pour nous. Parce que on pour ça me dit Haïti c'est pour nous même si tu as tout l'argent payant. Même si tu as tout auto toute belle femme tout beau garçon ou à mourir. C'est là bon Dieu créé liquider famille ou progéniture la donne faut défendre. Kounya toute théorie ça ça pour nous faire. Nous connaissons l'Afghanistan traité avec les talibans. Dans les mêmes Américains qui ont arrêté, nous connaissons toute l'histoire. Ils ont combattu pendant un bon temps. Là, on n'a pas qu'à combattre. Il faut négocier. C'est ça la logique. Mais on négocie aujourd'hui pour résoudre le problème. Yo. Tout le monde c'est pour eux. Nous même faut nous éclairer, faut nous aviser, faut nous pragmatiques. Ça a grand côté nous arriver. Il faut nous dire ça, nous voulons réellement pour le pays. Est-ce que nous voulons le pays effondrer? Eh bien, qui te l'effondre? Parce que moun kap mene non, li met ton code dans le coup et n'a pas marché de elle. C'est pour le râler non. Si nous ne faisons pas le râler non, nous vins sous homme. C'est pour mettre garçon sous lui, pour le râler non s'il capable. Et pour le râler non s'il capable, faut nous mettre stratégie pas dans sous pied. Faut nous négocier, faut nous faire répression. Négocier avec moun qui a changé, répression à moun qui est changeable. Parce que seul bon Dieu imbécile qui va changer, si vous êtes imbécile, vous mène au côté ouvrier. Et faut dans nos pays leurs responsables pas oublier ça m'a dit non là. Tout le monde c'est petit tout. Moi ministre tout le monde, président Jovenel, président tout le monde, opposant, criminel, vice-président. Président, ministre, pas grand volonté tuer. Pour qui ça? Si ça l'a poté. Pour qui ça nous pas qu'à parler monde qui pour condamner à condamner. Faut nous pas gien dans tête non, dans mental non. Faut nous tuer. Et, m'a dit non, dans le service d'entretien, mon qui te connaît, en service d'ab dirigé, mon paquet de bagages devant. Moi, je tue un paquet, rien n'y a pas changé. Et nous sommes dans le greffe tribunal là, nous déposons une plainte avec constitution de porte civile contre Louis Gonzague, Wolfeller Vincent. Et Sébastien Jean-Charles, Léon Charles, Romel Bell sont ensemble de monde qui s'est déplacé dans le pays, pour permettre que c'est eux qui prennent des mesures en ce qui a trait à la sécurité dans le pays. Donc il faut comprendre que nous déposons maintenant au greffe du cabinet. Suivi qui est en fait, dossier a été un numéro normalement. Dossier a été un numéro. Ok, donc le fait que le dossier a été un numéro, ça a son bon pas, c'est un bon pas de la très bonne direction. Donc, alors, bon, permettez-moi d'expliquer à la population hein, et contexte dépôt de plainte. Ce qui nous pousse, parce que le cabinet est à sa quatrième plainte, c'est face à laxisme. Et autorité yo à sac à privé dans Martissant et Fontamara. Et faut comprendre que depuis plus de 3 semaines, gen un pile moun k'ap souffri en de Fontamara. Ezi des moun qui gen caillou boulé et des moun que chien manger, des moun qui malheureusement gen presque 3 à 4 semaines dans centre sportif a dormi a pleuvé dans de très mauvaises conditions. Sans pour autant nous pas oublier féliciter autorité qui a fait effort. Mais ce qui attire l'attention, c'est pour qui ça? Autorité CSPN yo prend tout le temps ça ou bien prend temps ça pour venir en aide à Mounza. Et il est important pour nous comprendre que ce qui a fait là, c'est l'État qui est responsable. D'ailleurs, on a pris une requête que tout le monde a signé, l'ensemble des organisations politiques de l'opposition, tout le monde a signé, ou après nous mettez délit de négligence, non-assistance à personne en danger, association de malfaiteurs, violation du droit à la vie,
violation du droit à la sécurité. Donc c'est un ensemble d'infractions qui insèrent dans peut-être des fondements légaux. Parce que il y a des infractions qui ont fondement légal sur la base de l'article 264 du Code pénal. Il y a tout qui a fondement dans la convention relative aux droits civils et politiques. Donc tout sont un ensemble d'infractions qui nous-mêmes nous estimons que la loi ou bien juge là il y a une possibilité pour le trancher et qui dans la semaine qui va venir là pour commencer à relayer les gens pour dire pour qui ça il n'y a pas de prendre des décisions dans le cas d'infraction. L'autorité est contentée seulement à jouir d'un ensemble de privilèges dans l'État sans ne pas tenir compte des responsabilités qu'il y a. Gain. Parce que responsabilité première tout gouvernement, c'est d'assurer la sécurité de la nation et des citoyens. Et bien, je dis, dans la majorité des quartiers populaires, nous constatons la population aux abois. La question de l'insécurité est un phénomène donc qui a ravagé le pays. Ça veut dire que les gens qui ont une responsabilité pour assurer la sécurité du peuple, eh bien, par négligence, eh bien, nous avons lagué le peuple pour compte. Eh bien, je dis, nous décidons de porter plainte ça. Le fait que l'autorité a fait négligence, n'a pas assuré la sécurité du peuple haïtien. Parce que je dis, nous avons Premier ministre qui c'est Ti-Claude Joseph, eh bien, il faillit à mission. Directeur général police là, alors, qui faillit à mission. Donc, sont incapables. Donc, ouais, avec présence, li nan tête la police là. Donc, police là, li totalement crasé. Eh bien, je dis, hein, nous déposer plainte ça pour ensemble des mouns, ça yon venir répondre à la question de la justice. Pour négligence, il y a porté dans la question sécurité peuple haïtien. Il y a plein de monde qui a posé question pour qui ça nous mettait Romel Bel comme directeur douane dans plainte là. Raison c'est que ZAM, là nous dit ZAM avec munitions, ça les cartouches là, c'est marchandise comme toute marchandise. Et la douane a une responsabilité pour les contrôler toute marchandise qui a rentré en Haïti et toute marchandise qui a sorti en Haïti. Donc Romel Bel, en tant que directeur général douane, gen pou bay la justice, gen pou bay peuple haïtien explication, pour qui ça tout zam sa yo a rentré en Haïti, pour qui ça tout katou sa yo a rentré en Haïti. On nous connaît, la douane ta doit gagner un système de contrôle efficace qui pour contrôler toute rentrée, toute sortie, ensemble des marchandises qui a rentré en Haïti. Et bien, je dis, donc Romel Bel gen responsabilité. Pour qu'elle libère la justice explication sur quantité d'armes, quantité de munitions qui rentrent en Haïti. Donc c'est dans ce sens-là, nous-mêmes, nous portons plainte ça contre ensemble des autorités pour délit de négligence. Membre de gang qui a arrêté dans la zone Belader. Dans la zone ça, il y a trois membres de gang que la police rivait, mettait main sur eux grâce à support population. Et commandement. La police là, à travers DGPNH, voyons félicitations bay moun ka viv nan zone sa. Jean l'ite dit déjà, pour population pote contribution yo. Alors, une fois que population te wè la police a poursuivre monsieur Sayo, yo te mette main et aide la police barre monsieur Sayo. Trois monsieur Sayo, gen deux la parmi yo que la police tap cherché. Gen Louis Charles Molière qui était impliqué dans plusieurs actes criminels dans la capitale là. Gen Donald Sonville qui c'est membre gang 17 euros qui t'a fonctionné dans Rémi. Il était participé dans plusieurs cas enlèvement, braquage, assassinat et un inspecteur qui était affecté dans la circulation. Gen Jean-Baptiste Mackinson qui est impliqué dans cas assassinat yon l'autre monde dans la capitale là. Et population a aidé la police empêcher de traverser frontière là pour être capable de répondre question la justice pour qu'on est là monsieur Sayo là a parlé voyez dans tribunal pour répondre question la justice. Gain deux présumés bandits qui arrêté dans zone Camperin. C'est la date 21 juin 2021. Gain un monsieur qui bail la police information. Gagné plusieurs individus qui ont fait le chantage, qui m'ont donné $500,000 pour être capable de ne pas kidnapper. Et ils travaillent ensemble avec la police,
La police lui-même te fait une opération quand elle t'est arrivé mettre main sous trois monsieur ça qui t'a venir recevoir rançon dans même monsieur ça pour t'être capable pas kidnapper. Et trois monsieur ça la police t'est arrivé mettre main sur c'est Sori Sedek, Junel Julien et Franz Jérôme. C'est comme ça pour nous la population bail la police information, il est facile pour la police travailler. Gagnon camion marchandise qui était détourné et la police rivée mettait main sur camion ça avec quelques individus qui t'a fait débarquement camion ça. C'était dans zone quoi d'émission camion ça il était détourné et il était retrouvé dans zone bon repos. Tu gagné deux monde que la police t'est possédé à interpellation yo. Gagnon une qui stoppé et yon te touché par balle et la police a continué chercher lui et nous mande population quel que soit monde ou est dans zone cap caché qui gagne blessure par balle pas hésiter informer la police capable c'est un monde qui prend balle dans échange de tir avec la police mais cap essayer aller prendre soin il pas cap prendre direction l'hôpital mais cap essayer prendre soin informer la police. Gagne dossier opération qui mené dans Rémy. Il y a plusieurs opérations que la police rive mener dans la zone Rémy. Tu as gagné dans la date qui était 15 juin 2021. Il y a 9 membres de gang que la police est arrivé arrêter dans la zone Rémy. Ils ont fait partie de gang 17 euros. Mounsayo, tu as gagné pour nous. Jean-Elancius Blanc, Gérard Antoine, Davidson Tortus, Dumitri Cléna Amos, Chamo Louis, Naïka Balan, Jean-Saint-Louis, Dina Derilus et Vladimir Souffrin. Après que la police a arrêté Mam Gang Zayo, a gagné un autre groupe gang, selon l'information la police a gagné, qui est gang 400 Marozo, qui a essayé de prendre place Monsieur Zayo. C'était dans la date 23 juin, la police menait une autre opération dans la zone ça. Côté l'arrivé procédé avec interpellation 5 individus qui fait partie de groupe gang 400 Marozo, qui c'est Jimmy Telusmon, Jean-Claude Jean-Baptiste, Rose Camille Jean-Baptiste et Eric Duméus et Jérémy Baptiste. Et il y a une parmi tous individus qui étaient là, qui étaient arrivés stoppés, il y a l'autre qui était arrivé prendre la fuite. Dans l'opération ça qui était faite 23 juin, il y a deux motocyclettes avec une génératrice que la police est arrivée confisquer. Il y a un véhicule volé que la police est arrivée retrouver. C'était un Nissan Murano couleur grise immatriculé TQ18403. Monsieur Sayo, tu comprends pour retourner dans la zone ça encore. Hier 24 juin, la police débarqué dans la zone et il était joignant groupe nèg qui rassemblé dans la zone. Et yo te gen zam nan men yo. Le ou la police a venu, yo fait échange de tir avec la police. Genye Pay Moneus que la police rive procédé avec arrestation li, gen l'autre yo qui te couri prend rivière pour yo. Yo couri, mais la police li même pas chômé, l'a continue traquer yo jusqu'à ce que yo laisse population vivre en paix. Jean commandant en chef la te annoncé li que la police la prend décision pour les traquer tout bandit quel que soit côté yoyé. La police là informé tout le monde qui est dans le commandement pour prendre décision mener opération dans quelques zones côté y a dirigé quel que soit information yo gagné sur un groupe gang cap essayer former ou bien cap théoriser population pas quitter li boujonner. Qui disposition cap prend pour nous capable freiner phénomène insécurité, hein? Du moins, qui ça la police a fait pour contregarer l'action gang dans la zone métropolitaine? Dernière déclaration que je fais, nous avons dit la police, nous avons dit chaque jour, PNH, c'est Goumelie. PNH a frappé, monsieur a attaqué le commissariat. Dans les trois dernières semaines, nous avons 6 sous-commissariats qui ont attaqué, mais qui ont pris des tué. Le boulet policier. PNH a déjà mobilisé
mais frappe ça que ben dire ben là yo moins dit c'est ligne rouge là que yo franchi et il dit mobilisation c'est comme lié nous te ouais ça gain 2 semaines opération qui fait sous zone Badelma cracher du feu la police a été stoppé réduit capacité de frappe gang zayo et n'a poursuivi. Nous te refaisons l'autre intervention sous même zone. La police là pendant opération ça après opération ça bandit Delma 2 4 6 attaqué en patrouille Simo nos gros policiers qui tombé qui ont assassiné et intervention est faite dans zone ça pour nous stopper arrêter pour chasser bandit zayo et en réaction ouais tête bandit chaud, bandit a pris manchette, bandit a menacé, mais m'a dit, force légale là, c'est la police là. Nous frapper, ils ont utilisé les moyens forts, ils ont crasé le commissariat. La police là a résisté, et c'est ça que fait, nous continuer plein d'opérations que nous avons sous zone métropolitaine là, qui fait arriver la boule 12. La boule 12 m'a dit, son conflit terrien qui vient déboucher sur Matissan. Mais, moun sa yo, bandi sa yo, yo rend population qui vit dans zone sa, la vie impossible. Nous montons opération, nous faisons pénétration, son opération dure 72 heures de temps, li beaucoup fini. Résultat, c'est ça nous est. La police a démontré, quel que soit, même sur un crique monde, même si on entre dans la cave, on a cherché. Maintenant, nous voulons vous envoyer un message avec la population haïtienne pour nous dire que nous-mêmes, ensemble, organisation avec Forme Kouni Kaspan, qui était lancé mon ordre de grève le 21 et 22 juin, nous avons dit que nous avons fait grève générale. Pour 21-22 et nous même viser 23. Mais nous avons dit à la population haïtienne que nous avons mobilisé jusqu'à 24, 25, 26 et pour 27 juin pour la grande mobilisation contre référendum, contre projet inconstitutionnel, illégal que Jovenel Moïse lui-même voulait imposer à la population haïtienne. Qui donc? Et qu'on y a maintenant, nous voyons que il y a des secteurs comme le secteur protestant. Nous avons des secteurs comme le secteur démocratique, je dis, ils ont même tout une nécessité pour faire manifestation le 27 juin. Et bien, dans ce sens, ça nous dit que, comme le 27 juin était tout dans l'agenda et le mouvement national formé comme le Kaspan, ensemble avec l'organisation, et bien, nous sommes capables de dire nous-mêmes, nous étions attachés avec le 27 juin pendant qu'il a demandé à la population haïtienne. Pour répondre à 27 juin, côté que nous-mêmes, le mouvement national formé comme nous Kaspan, ensemble avec l'organisation de JIDA, nous pas complices VOV en bas, Force Delma, et MOGA, et Haïti Possible, plateforme protection diaspora, et diaspora est en colère. Nous, toute organisation, ça, et l'autre que je vais citer, nous dit que, eh bien, nous étions attachés à 27 juin, côté que nous invitons la population haïtienne. Pour yon foule béton, 27 juin 2021, pour nous continuer cette bataille là, pour nous faire résistance. Matin là, c'est le qui se syndicat des employés de la loterie de l'État haïtien, t'es décidé de rencontrer la presse pour lui être capable de dénoncer avec toute force lui, ensemble, Zach, intimidation, persécution ensemble avec menace pour la mort que ancien directrice loterie l'état haïtien a fait sous employé au début un certain bout de temps. Eh bien un mois après directrice qui était dans tête loterie te fin courir démissionner directrice te prend plaisir pour lui capable
relé d'abord directeur administratif Lotrien dans téléphone pour te faire menace sous lit, jouer maman directeur, faire ça pour plusieurs l'autre employé. Journée jeudi qui saute 17 juin, eh bien, directrice là te relé yon employé dans téléphone pour lui capable de faire menace la mort sous lit. Parce que employé ça fait partie de service recouvrement Lotrien. Étant donné que directrice a jugé que il y a un pile code mal taillé qui était fait dans la question recouvrement dans Lotrien, eh bien directrice là pas accepté à ce que Lotrien continue à fonctionner, il pas accepté à ce que travail employé qui dans service recouvrement en fait, eh bien il décidé fait matraquage politique, fait persécution et fait menace la mort sous yo. C'est raison ça qui fait que dans la date qui saute 21 juin 2021, eh bien employé l'autre l'état haïtien t'est décidé porter une plainte formelle auprès de monsieur Claude Belfort qui c'est commissaire du gouvernement pour que yo t'est capable dénoncer formellement et juridiquement ensemble de menaces que directrice là prend malin plaisir pour lui faire sous employé malgré que depuis plus de 2 mois il était couru par démission les que ULCC t'est décidé pour lui capable venir fournir garder et bien est-ce que ensemble acte que y aurait reproché ancien directrice ça est-ce que réellement yo vrai est-ce que réellement yo réel en dans institution.